Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 France-Autriche. Sur ce, bon visionnage! Bienvenue à vous qui nous retrouvez pour cette demi-finale opposant deux des plus belles équipes d'Europe. Au départ, ils étaient 24 participants à cette édition. Il n'en reste plus que 4 qui espèrent bien sûr être sacrés dans les jours qui viennent. Mais pour cela, il faudra évidemment briller aujourd'hui. C'est une place en finale qui se joue. Le match commence dans quelques secondes. L'ambiance dans le stade est magnifique et nous, on a déjà des frissons. Quand on voit l'Olympico, on pense aux arènes romaines, aux combats de gladiateurs. Et quoi de plus normal pour la ville éternelle? Et on écoute l'hymne national autrichien. Et voici l'hymne national de la France. En jeu aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qu'un ticket pour le match le plus important de l'été. On a beaucoup parlé de cette demi-finale depuis qu'on a les affiches, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à un tel engouement. Que ce soit dans la rue, aux abords du stade ou dans les coursives, tout le monde est impatient qu'elle débute. On va voir ce que nous réserve ce match. Pour Lemar. Il choisit la profondeur. L'interception au bon moment. En retrait vers son gardien. Koscielny. Hernandez. Qui a de l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. L'accélération. Lemar. Martial en retrait. C'est reparti, ils peuvent contrer. Voici Martial. Le bon dribble. Il peut en profiter. Lemar. Et ça va au fond. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. Lemar, non, c'est le deuxième but dans cette compétition.
Voilà le match définitivement lancé. Il cherche son coéquipier. Le jeu repart vers la droite. La passe est précise. Oh, le duel. Hernandez qui est récompensé de son pressing. La passe dans la profondeur. Il la remet. S'il le trouve, Martial. Ça joue bien, côté gauche, il faut insister. Il progresse encore. Mbappé. Long ballon dans le sens du jeu. Ça joue à gauche. Sidi B qui perd l'équilibre. Lemar. C'est bien ce qu'il fait là. Il est passé. Oui, il peut frapper là. Et c'est un but. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Cette compétition lui réussit bien. Il en est à 5 buts désormais. La France vient peut-être de se mettre à l'abri. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. C'est joué long, c'est dangereux. Ils tentent de la jouer dans l'espace. L'Autriche qui récupère ce ballon. Attention, ça peut aller vite. Côté gauche. Mbappé reçoit le ballon. Il est signalé hors jeu. Ah, il se sent mal compris. Quel mauvais timing. Mbappé. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Lemar. Il glisse le ballon en profondeur. C'est bien donné. Il file dans l'axe. La frappe, attention. Oh, le gardien est là, la classe. C'est un super arrêt, fine save. Ce sera le premier corner du match. Excellent repli défensif. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Il joue dans l'espace. Faut tirer là. Le geste juste, capital. Voilà qui peut changer beaucoup de choses. Ils réduisent le score. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. La défense l'a complètement perdu de vue. Il était libre de tout marquage. Ils ne comptent plus maintenant qu'un but de retard. Ils ont commencé leur comeback. Mais iront-ils jusqu'au bout? Le long dégagement du gardien. Kanté qui récupère ce ballon. Yanko.
Alaba qui choisit le côté gauche pour trouver la faille dans la défense. Bonne interception, il y avait danger. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Kanté, c'est joué long. Martial, bien servi sur le côté. Elle continue sa course. Allez, ça doit faire but. La tentative. Oh, c'est dedans. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Mais c'est le joueur à marquer de près. Un attaquant de ce calibre, si vous lui laissez une chance de briller, eh bien, il vous le fait payer. Ça, c'est sûr. Il en est maintenant à 6 buts dans la compétition. Deux buts d'avance, ça fait du bien, oui, on les imagine un peu plus sereins. Le break est fait, ils vont pouvoir souffler un peu et envisager la suite avec un peu plus de sérénité. Ils obtiennent la touche. Il a du champ sur le côté, le bon dribble. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Oh, c'est chaud. Le soutien derrière lui. Il peut y aller. Ça s'est joué à rien. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. C'est joué long, attention, il est bien placé, il y a peut-être un coup à jouer. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Jolie accélération sur l'aile droite. C'est bien ce qu'il fait là, dans la surface. Il rejoue derrière lui. Et il tire. Et c'est sur ce dernier frisson que se termine la première période. Ça aura été animé jusqu'au bout avec cette dernière occasion. Ça méritait peut-être un meilleur sort d'ailleurs, c'est dommage. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Ils sont menés 3-1 à la pause, il faudra vite réagir en seconde période, vite. L'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Et aucun changement n'a été effectué avant la reprise. Mbappé. Ce contre peut très bien aller au bout. Il y a danger. Mbappé. Martial. Il tente sa chance. Ouf, ils s'en sortent bien là, d'un cheveu.
Il joue dans l'espace. Il peut frapper là. Nouveau but dans ce match. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Bon, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. C'est très simple, hein. Il le donne le tournis depuis le début de ce match. Il y rend fou. Il compte désormais 3 buts d'avance. Il a trébuché sur cette intervention. Et oui, faute, coup franc. Baumgartlinger. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Mbappé. Il continue de progresser. Dans la surface. Ça, c'est directement pour le gardien. Baumgartlinger qui veut se projeter. Pogba. Voici Martial. Il essaye de faire la différence côté gauche. C'est parfait, magnifique. Oh, le bon ballon! C'est bien donné. Il tire! Il peut encore frapper jusqu'au bout! Oh, il marque! Et l'addition qui s'alourdit un peu plus. Quelle erreur! Et derrière, c'est la punition immédiate! C'est vrai que c'est une grosse boulette, mais surtout l'attaquant a bien senti le coup. Rendez-vous compte, il a marqué 4 buts à lui tout seul aujourd'hui. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes. Et encore, je suis gentil. À la barre. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Donc il va vite sur ce côté. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Le coup de tête. Quel sauvetage. Ça joue à gauche. C'est bien fait ça. Il glisse le ballon en profondeur. Le centre tendu. Le bon jaillissement. Ça joue long vers l'avant. Martial qui a un peu d'espace. Pour trouver la faille dans la défense. Un grand dégagement le plus loin possible. Et c'est directement récupéré. Lemar. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Oh, voici Thauvin. Thauvin qui écarte le jeu. Il est à distance de tir. C'est Thauvin qui centre. Il réclame. Allez, jusqu'au bout. Oh, le but. Et encore un but. Ça tourne à la démonstration. On ne s'attendait pas à un tel écart. C'est incroyable. Et désormais, il en est à 3 buts dans la compétition.
On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. La passe en retrait vers son défenseur. L'Autriche qui peut avancer. Allez. Janko. La passe dans la profondeur. Le bon dribble. Le duo. Oh, la frappe! La bonne présence du gardien sur cette frappe dangereuse. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Griezmann. En dribble, c'est bien fait. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il est passé. C'est un bon mouvement. Il y a danger. La frappe. Oh, c'est au fond. Oh, on est au-delà de la domination. C'est une réelle humiliation. Mais quel match de folie! Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! Il tente de la jouer dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Un centre au corps. Il peut frapper. Sur le poteau. C'est à côté. Oh que c'est dur. C'était une occasion en or. Ouverture lumineuse. C'est joué long, attention. Ça peut être extrêmement dangereux. L'arbitre considère qu'il a plongé. Ouais, il s'est laissé tomber là. Et derrière, il paraît surpris. Le bon dribble. Il remporte son duel. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Koscielny. Kanté. Hernandez. La France qui cherche l'étincelle. Ça va vite. Oh, s'il lève la tête. Il est passé. Et le ballon est dégagé. Il y aura donc touche. Interception sur la touche. Bonne anticipation. Kanté. Oh, Griezmann. Il y a peut-être un coup à jouer.
C'est une occasion, ça. Encore une chance. Et ça finit au fond. C'est une véritable boucherie à laquelle on assiste. Bon, honnêtement, je commence à avoir mal pour eux. Ouch! Quel match! 5 buts, manita, disent les Espagnols. C'est fini, le match est terminé. La France qui s'impose donc sans trembler dans cette demi-finale à sens unique. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Ah, c'est génial, et avec cette victoire, les voilà en finale. C'est mérité pour moi. Merci à vous, mon cher Grégoire. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!